Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce banc. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu nous protège. Mais faisons un peu attention. Regardez l'écran. Ah! La fille d'aujourd'hui, elle fume et elle boive n'importe comment. Vraiment! Regardez de l'autre côté là-bas, au fond, juste au fond. On voit encore des célébrités, genre des filles que tout le monde connaît, qui sont en train de faire des bêtises, qui sont en train de fumer la chicha. Et ça boit. Aïe! La femme comme une là, elle a vu ça et elle a dit si on ne vous en parle pas, si on ne vous parle pas, vous allez penser que c'est la blague. Tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire pas fumer n'importe comment. Ce que vous êtes en train de faire là, le jour, ça va vous créer des problèmes. Ne venez pas après ici pour demander de l'aide. Là, elle parle au star. Ne venez pas après ici demander de l'aide aux gens. Genre, qu'on vous donne de l'argent, qu'on fasse quelque chose comme ça pour vous ou qu'on fasse ceci. Hein? Nous allons l'écouter. Elle parle en anglais. J'essaierai de faire la traduction et nous allons réagir après. Fall and you be talking anyhow. You will see alcohol, you will drink it and want to finish it. Elle dit que tu vous voyez l'alcool, vous commencez à boire et vous voulez finir ça. Then when you damage your liver. Maintenant, quand vous endommagez votre vie, next thing you will come and say we should do fund and me. Et vous revenez après pour dire aidez-moi, faites-moi des transferts. For you, we should raise funds for you. Meanwhile, you are the one that used your hand to carry the bottle of Hennessy or brandy or beer to be shaking. Alors que vous étiez seul à prendre le verre, à boire et à faire les choses comme qui n'ont aucun sens. God said, drunkards, revilers, extortionists. He said they will never and shall never enter the kingdom of God. Et elle dit que ça là, vous allez jamais, jamais, au grand jamais, entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Elle dit vous êtes là en train de vous, elle parle au star, elle dit vous êtes là tout en train de boire, en train de fumer tout et n'importe quoi. Mais le jour où ça endommage vous, quelque chose dans votre corps, dans votre organisme, dans votre vie, vous venez pleurer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pleurer devant nous pour demander à ce qu'on vous fasse des transferts. Genre qu'on vous soutienne financièrement parce que vous êtes malade ici, vous êtes malade comme ça, vous êtes ici, vous êtes là. Avec tout ce que vous faites, ne pensez pas que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est fou? Cette femme parle aux stars qui boivent et fument n'importe comment. Est-ce que c'est fou? Les gens s'attendent à ce que le Dieu descende du ciel pour venir leur parler. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle a menti? Les gens pensent que la vie c'est ça. Boire, fumer, avoir du sexe. Les gens pensent que c'est ça la vie. Et aujourd'hui c'est devenu une histoire de sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Et le monde est dirigé par ça. Parce que le sexe, la drogue et l'argent. 666. Ça, ce sont les comportements et les caractères de ceux qui sont marqués par la marque de la bête. 666. 666. C'est pas de la blague. Ça veut dire que les gens qui fument, qui font la belle vie, qui se concept mode de vie,
s'expose à beaucoup de maladies, à beaucoup de dangers. Il n'y a pas longtemps, il y a un partenaire ou un ami encore à Davido qui est mort. Il s'appelait Obama, DMW. On lui dit qu'il avait des problèmes respiratoires. Les gens disent, mais waouh, il était si jeune. Comment peut-il avoir des problèmes respiratoires? D'autres personnes pensent que c'est ça. La manière dont les gens boivent tout et n'importe quoi. Et n'importe comment. La manière dont les gens fument tout et n'importe quoi. Le résultat, là, c'est ça. Les maladies ici, les maladies par là. Et ce qui est digne de cette affaire, c'est qu'après, ces gens-là, ils viennent encore sur les réseaux sociaux pour dire, aidez-nous, aidez-nous, on a telle maladie ici, on a telle maladie comme ça. Ils viennent encore, ils disent, aidez-nous, aidez-nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Ah, priez pour toi. Comment veux-tu qu'on prie pour toi? Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Les gens viennent là et ne nous disent rien, mais ce sont eux qui nous demandent de prier pour eux. Fais attention, hein? Doug Saka, qui n'a pas connu Doug Saka en Côte d'Ivoire? Qui n'a pas connu le gars? C'était un beau canté de ouf. Mais à un moment donné, il est tombé malade. Et les gens commencent à dire, ah, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent pour l'aider, pour ses soins médicaux. Et on a besoin aussi de vos prières. Mais quand il fumait les cigarettes, de grosses cigarettes, les cigarettes très chères, pourquoi ses amis n'ont-ils pas dit, ah, mon ami, tu fumes là? Tu fumes, c'est dangereux pour la santé. Pourquoi est-ce que ces amis, on va dire, ah, tu bois trop souvent, tu bois tout et n'importe quoi, c'est dangereux. Pourquoi les gens n'ont-ils pas dit ça? Pourquoi lui-même n'a-t-il pas pris conscience que cette fille-là, c'est une fille très dangereuse et qui arrache très jeune la vie des gens. C'est-à-dire les jeunes, faut que ça tue vraiment beaucoup les jeunes. Beaucoup. L'espérance de vie diminue. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Vous pensez que le diable lui-même a créé la cigarette, l'alcool, tout ça là pour faire plaisir? Dieu n'a jamais inspiré un gars à créer la cigarette, la chicha, tout ce que vous êtes en train de fumer. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de fumer ici. Donc, toutes les personnes qui sont dans ça, en train de fumer tout et n'importe quoi, dites-vous en même temps que vous êtes en train de servir le diable. C'est le diable que vous servez par votre comportement. Vous buvez, vous êtes saoulé. Un garçon mauvais vous prend, il couche avec vous. Il vous met enceinte, vous ne savez pas qui est le père. Où est passé le papa? Tu vas accuser qui? L'alcool. C'est l'alcool que tu vas accuser. Les gens qui conduisent en état d'ivresse. La fille a pris sa voiture, conduit. Elle va courir quelqu'un. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé. À cause de toutes ces choses. Si vous avez commencé par la cigarette, après la chicha et tout ça ne m'étonnerait pas que vous consommez la drogue. C'est quoi? C'est un cheminement. Dans la vie, il faut évoluer. Et comme dans la vie, il faut évoluer, vous allez passer de la cigarette jusqu'à la drogue, jusqu'à des choses qui vont maintenant détruire votre vie. Comme des stars aux États-Unis, comme des stars de la musique aux États-Unis, ont vu leur carrière être cachée juste à cause de la drogue, jusqu'à cause de l'alcool, juste à cause de tout ça. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ce sont des pièges contre votre âme. Elles sont là, te disent, oh, je veux un bois de nuit ce soir, je veux un bois de nuit ce soir. Arrivé là-bas, ça boit. Ça fume, ça couche avec les gars,
Ça couche avec les coups. Tout sort de... Ça, ce n'est pas une vie. Cette vie-là, c'est la vie que le diable, 666, veut que vous meniez. Afin qu'après, là, il vienne récolter ce qu'il a semé. C'est-à-dire, vous cherchez pour aller en enfer là-bas. Parce que c'est là-bas, les gens boivent. Donc, vous continuerez à boire là-bas. C'est là-bas, les gens fument. Donc, vous continuerez à fumer là-bas, n'importe comment, avec les démons. Mais là, ce n'est pas la boisson que vous voulez boire. C'est de l'acide. Là-bas, ce n'est pas la fumée. Ce n'est pas la chicha qui est là-bas. C'est le feu. Ça va vous consumer de la tête aux pieds. C'est un lieu de tourment. Là-bas, là, on ne sourit pas. Il faut vraiment faire attention. J'ai vu ça. Je veux le voir ça. Je veux le voir ça. Il dit, ah, les gens pensent qu'avoir l'argent, ça signifie qu'on est intelligent. Les gens pensent qu'avoir l'argent, ça signifie qu'on est sage. Tu as l'argent. Tu te crois intelligent. Ah, hey, mais tu n'as pas la puissance pour pouvoir dominer l'esprit qui se trouve derrière la chicha, derrière la cigarette, derrière l'alcool, derrière la drogue. Quelle puissance as-tu? Quelle puissance as-tu? Les gens pensent que la solution au monde, c'est d'avoir des milliards. La solution de ce monde, ce n'est pas l'argent. La solution de ce monde, ce n'est pas l'argent. Les problèmes qui arrivent dans ce monde, ce sont des problèmes d'esprit, ce sont des problèmes spirituels. Nous devons commencer à corriger les problèmes spirituellement. Mais Dieu nous dit, ne donnons pas accès au diable. Si vous voulez donner accès au diable, c'est facile. Quand vous buvez, que vous êtes vraiment saoulé, tout ce que vous faites là, ce n'est plus vous. Ce sont les démons maintenant qui vous contrôlent. Vous faites du grand n'importe quoi. À un moment donné, vous fumez, vous fumez, que vous fumez là. Vous n'êtes plus là. Là, les démons maintenant passent par la fumée. Où est-ce que les gens se rendent compte? Est-ce que les gens se rendent compte? Il y a des gens pour pouvoir invoquer un démon, ils doivent d'abord fumer. C'est-à-dire, ils doivent fumer certaines drogues pour que les démons puissent venir. Parce que ça fait partie du rituel. Donc, vous êtes des ritualistes. Sans le savoir, vous êtes dans les bails noirs. Les gens riches sont vraiment dans les endroits sombres, honnêtement. Et tout ce que nous voyons là, ce n'est pas qui montre qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Si vous voulez suivre votre copine pour aller en boîte, parce que vous dites que c'est la mode, ne le faites pas. Restez chez vous. Ça vous évitera beaucoup de choses. Et vous aurez même longue vie. Lisez Somme chapitre 1. Et vous allez découvrir ce que Dieu vous demande de faire. Dieu nous dit de ne pas suivre le conseil des méchants, de ne pas suivre les idées. Moi, aujourd'hui, je vous dis, mes frères et sœurs, fuyez le monde. Quand on dit le monde là, c'est ça, hein? Ce qu'il y a à la mode aujourd'hui là, c'est le monde. Les maquis, les boîtes de nuit, regardez. C'est quoi en fait? Si de les maquis, les boîtes de nuit, ils étaient tranquilles, ils vivaient leur vie tranquillement, personne n'allait les critiquer. Mais comme il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent là-bas, souvent, on se dit qu'il y a certains endroits sur la terre ici qui appartiennent déjà au diable. Il y a certaines choses déjà sur la terre qui sont des propriétés du diable. Tu as pas porté un vêtement où se trouve un grand dragon et où tu vas penser que c'est un autre Dieu. Ça, sache que tu honores le diable. Et une vidéo va apparaître ici, là. C'est la vidéo même la plus vue de la chaîne, bien sûr. Tu vas voir une ex-sataniste qui t'explique les détails sur des détails, ce qu'elle faisait là-bas, comment elle utilisait le bijou même pour envoûter les gens, pour posséder les gens, comment elle faisait des choses, qu'est-ce que ces gens-là faisaient avec des avions. Tu risques d'être choqué. Oui, tu te laisses écouter cette vidéo.
Admettre que je prépare la nouvelle victoire à venir tout de suite. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et sois prêt. C'est parti.